Attention, cette vidéo contient beaucoup de mauvaise foi, de prank en tout genre et de rhinoshocks défoncés à la poudre lunaire et de rails de freekill sur le gars du AP4. Merci de bien vouloir calmer vos ardeurs de fanboy gars du manque arabistouillé et de comprendre le second degré qu'il se dégage de cette vidéo. Merci bande de marouflards et bon visionnage. Il découvre le buisson. Oh, dis donc, ça c'est un buisson normal. Tu vois, mec, genre... mais tu sais bien que sur mes 2900 heures de jeu, j'ai jamais vu un seul buisson de ma vie, mais j'ai jamais eu ça sur une map. Hein. Mais mec, à chaque fois qu'ils sortent une map, ils sont obligés d'à chaque fois refaire les buissons, les arbres pour les adapter. Et le mec, il se dirige vers un buisson, il dit, dis donc, est-ce que ça serait pas un nouveau buisson, ça? Et la texture, elle est trop belle. Oh mon dieu, des petits détails sur un toit. Oh. Putain, des détails. Les bâtiments sont magnifiques. Alors, le drapeau français. Mais ils sont juste des cubes. Et là, nous avons une église magnifique. Non. Oh, c'est génial ce qu'ont fait les auteurs, le travail qu'ils ont fait là, franchement. Mais non, mais elle est dégueulasse, l'église. J'ai hâte de continuer à... Mec, tu sais que moi, j'ai envie d'écrire tout un pan de tout ce qui va pas dans la map. Genre, t'as vu ce que... Attends. T'as vu la géographie que j'ai... Non, mais toi, t'es pas sur mon Discord. Regarde, la géographie. Ça, c'est la France avec tous les points de trucs. Voilà, là, on reconnaît la France, centrale nucléaire, machin, bidule chouette. Arrête-moi cette dent, putain. Ça... C'est la France sous assiste. Je pense que depuis le temps, la France a quand même bien bu. Hein. Elle a un petit peu, tu vois, elle est en coma éthylique. Elle a coulé. Mec, il y a le pont du Gard en face de Marseille. Qui relie une île. La France. La France, elle a fondu. Elle a fondu. Se moquer d'un pays, c'est pas gadu. Donc stop les injures. SVP. Après l'enregistrement, je vais sûrement visiter plus en détail cette map, peut-être trouver des secrets. Non, pardon, alors attends, après sa vidéo, il va faire de la pub pour gagner du gaming. Ça, il le dit pas. Alors nous, en 2019, on va réaliser un énorme projet. Mais attends, mais tu l'as vu là, sur son Discord, qu'il a posté une vidéo de Gadu? Bah oui, je l'ai vu. Bah, et c'est son pote. Hein. C'est son bro, hein. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais mec, même la miniature, mais putain, mais tu peux faire des mèmes avec tellement les dégueulasses. Cela dit, alors les deux gars, vous allez vous pencher sur le côté devant la tour Eiffel qui ressemble juste à un espèce de... Gros pénis. Un con. C'est long, ça. Ah, des gros. T'as des grosses barres. Le gros féminin, j'ai testé là, un limite de zone et c'est bien toute cette zone qui est contaminée. Attends, il faut quand même que Rhino... Il explique qu'est-ce que c'est une zone contaminée et pourquoi c'est rouge sur une map. Genre... Moi je dis c'est parce que là-bas il y a beaucoup de bonbons et tout, c'est pour ça qu'il y a une zone, ouais, c'est une zone de bonbons. C'est pour faire baisser la barre de consommation. C'est pour limiter la population, faut pas qu'elle dépasse un certain seuil. Du coup alors voilà, ça c'est la zone de bonbons, c'est si vous pouvez trouver de la bouffe. Tout le monde y va et tout le monde... Ah mec, moi j'ai tellement honte, tu sais j'habite à Marseille, mec Marseille c'est dégueulasse. Marseille, c'est soi-disant la seconde ville la plus grande, la plus populée de France, je sais plus mes couilles. Et le truc, c'est un port avec 4 bâtiments derrière. Genre. Bah, c'est un. Non, mais en fait, ils l'ont pas dit, mais c'est un semi-Marseille qui a c'est la moitié. C'est les 1/8 de Marseille. C'est le gars, il a fait la map, il a fait alors, s'il vous plaît, 1/2 Marseille. S'il vous plaît, pas trop chaud. Hein. Le gars, il a commandé un Marseille. Alors, je voudrais un Marseille saignant, pas trop cuite, un demi-Marseille, s'il vous plaît. Putain. Si vous regardez partout, il y a plein de lieux cachés. Waouh, il y a plein de lieux cachés avec marqué leur nom et leur location. D'ailleurs, je trouve du texture de la map vraiment très stylé. Là vous avez la texture de la neige ici, et là vous avez la texture de la neige qui change beaucoup de la neige que nous connaissons habituellement sur Yukon ou autre. Et écoutez les sons. C'est une neige blanche, Rhino. Les sons sont vraiment classe, ça rappelle un peu le son de la neige de Hunter 4.0 carrément. On trouve du stuff très très facilement. Est-ce que c'est Rhino que quand tu marches dans la neige depuis Yukon, et ben ça fait du bruit de pas de neige? Non mais tu peux pas comprendre, c'est qu'en fait c'est de la neige spéciale que ça te surpasse. C'est la 4.0, elle est arrivée. Je suis sûr en fait la neige sur la France c'est un teaser pour la 4.0.
Il va faire une vidéo easter egg 4x0 la France easter... en fait. C'est la 4x0. Easter egg, easter egg les textures pack. Non, je suis dans les fichiers du jeu, j'ai analysé le texture pack. J'analyse la... Alors attendez, dites-moi que c'est un nouveau véhicule. Attends, le mec il voit un véhicule qui fait 8 fois la taille d'un véhicule normal, il fait... est-ce que ça serait pas un nouveau véhicule? Mais attends, mais c'est bizarre, il est quand même posté en plein milieu de la route, c'est pas un nouveau véhicule. C'est bizarre. Non, non. C'est un peu comme les gars qui font des pros, tu sais, qui se disent « Oh, regardez, j'ai trouvé une PS4 à partir. » Regardez. Et le gars fait « Oh, regardez, j'ai trouvé un masque de Kung Fu. » Ah non, non. Toute sa vidéo, c'est un meme, quoi. C'est une compilation de meme. Pardon ? Trunk. Putain, mais c'est même pas lire, Rino. C'est oui. Dingue. Il a dit Black Cargo Trunk. Trunk, c'est le coffre d'une voiture. Mais non, Trunk, c'est dans la gueule. Où tu mets un escabeau. Ils sont tellement beaux. Tellement beaux. Ils sont tellement beaux. C'est des gros pixels. Et t'as vu. Et non, mais ça, mec, c'est les arbres de la 4.0. Ah, on trouve. Ah, c'est la 4.0. Quand on tape sur un arbre, ça fait le bruit du bois. Non mais mec, et toi il l'avait dit, il y a trop d'histoire. Mais moi, mais elle est bourrée de trop d'histoire. Elle est c'est bourrée tout court là. Alors à savoir que là j'ai des arbres en format normal, pas en format vous savez plus réaliste. Car personnellement après avoir bien testé les deux. Putain mais c'est vraiment genre le type il te joue en ultra mais il te met les arbres non blending on all tree. Tu sais c'est des trucs les arbres bien dégueulasses ouais. Mais moi je préfère les arbres bien dégueulasses en ultra. Non mais Gadu lui c'est le sang quoi, il te fait des vidéos. Please, putain stop Starty, on trop lingue. Parce que mais oui bien sûr moi parti. Mais qui allait celle-là sur le Discord parce que je trouve que ah, ça Starty, un peu Star... t'es un gère la fougère toi. Ah bah ouais. En plus, tu sais qu'on est interdit de poster des images. Il me l'a dit. Rinochek, il me l'a dit. On est sur le Discord de l'article 13 ici. Donc... En fait, ici, c'est un Discord de consommation. Tu viens là juste pour discuter ou regarder des vidéos. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le toit ici. Pour regarder. Putain, mais sérieusement, en plus. Une baguette. Oh oui. Bon. Tu sais, Starzy, ça me fait penser à une vidéo de Pokémon. Oh, une chatte. Une chatte, il fait oh, une baguette. Oh, une chatte. Ah, bah si. Ah, mais remets-la, c'est énorme ça. Quête, les amis. Et on retrouve. Non, un peu moins. On monte sur le tout ici. Ah, si. Oh, regardez. Une baguette, les amis. Oh, une chatte. On était... Attends, attends, regarde. Alors là... Alors attendez, on va la visiter en mode anime. Parce qu'elle a l'air vraiment incroyable. J'avais vu des screens de cette map. Bon, on s'en bat les couilles de ça. Là, il te raconte de la merde. Voilà, ceci est un bâtiment parisien. Alors, je tiens à dire juste avant que c'est le Louvre. Là, il sait pas ce que c'est. Est-ce que ça serait pas... Là, il voit la pyramide, il ne sait pas ce que c'est. Regardez, ça a été bien fortifié. Là, 1, 2... Ah, c'est le Louvre. Ah, elle est là, la pyramide. Elle est dégueulasse. Oh, oh c'est le Louvre. Il faut essayer de sécuriser le Louvre. Ah, oh. Il y a des nouveaux tableaux. C'est vraiment dégueulasse sur map, c'est incroyable. Ah, excellent. Ah, mais là, il n'y a aucun respect. Excellent. Les zombies gilets jaunes, non mais il est... Mais c'est une blague. Il est tabou, il y a... Regarde, attends, là on tombe sur la partie genre Rino ne connaît rien. Il passe devant, bon ça je sais plus ce que c'est mais c'est connu. La Vénus de Milo, il souligne pas. Il y a aussi des nouvelles... Le penseur de Rodin, il souligne pas. Il fait voir des statues blanches. Il fait faire easter egg, j'ai trouvé. En fait ça c'est le penseur de Rodin. C'est bel et bien le Louvre. Vous voyez de sécuriser un maximum. Alors il n'y a pas d'armes spéciales, j'ai l'impression. Ou alors les loots sont très très rares. Par contre, ça c'est un nouveau véhicule, si je dis pas de bêtises. Un nouveau véhicule de Germanie, évidemment. C'est une map qui serait cool à faire en aventure. Faudrait jouer ça avec qui serait motivé de mon côté. Regardez,
on aurait des tenues d'ancienne guerre, non? Cette map française, les amis. D'ancienne guerre, oui. J'ai l'impression qu'en fait, des fois, Rino ne parle pas français. Il ne parle pas le même français que tout le monde. D'ancienne guerre. Vidéo finie. J'ai pas pu mettre tous les règles car sinon la vidéo serait trop longue. Tout ce que vous avez entendu durant votre visionnage n'est pas à prendre au sérieux. Donc toi le gros patapouf qui se goinfre de drama en allant jouer mafieux sur le gars du RP4, va pas gueuler à Rhinoshock comme quoi je le dénigre. Merci bien et... Ciao 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 les amis.